Bonsoir. Bien le bonsoir, monsieur. Bien, nous voilà donc de retour avec l'inspecteur Gros Sac, Scott Shelby. Le type derrière le comptoir. Je suppose que c'est lui. Je vais faire un petit tour. On dirait que c'est pas la foule. Pas étonnant à cette heure. Pas plus mal. On va pouvoir parler tranquillement. Il y a des chips par terre. Ouais, on va parler tranquillement. Je fais juste un petit tour du magasin, juste comme ça, pour voir deux, trois petites choses. S'il n'y a pas des interactions ou autre. Ah. Ouais, non. Staff only, puis c'est fermé la clé. Bon. Eh ben, on va continuer l'enquête. Mon cher ami, bonjour. Je peux vous aider, monsieur ? J'espère. Je m'appelle Scott Shelby, je suis détective privé. J'enquête sur le tueur aux origamis. J'aimerais vous poser quelques questions. Mon fils est mort, monsieur Shelby. Il n'y a rien de plus à dire. J'ai aussi perdu quelqu'un que j'aimais. Je sais ce qu'on ressent. Alors, vous comprendrez. Je ne souhaite pas en parler. Le tueur vient d'enlever un autre gamin. Un gosse de 10 ans. Comme votre fils Reza. J'ai 4 jours pour le retrouver, avant qu'on découvre son corps sur un terrain vague. Personne n'a rien fait pour sauver mon fils. Alors... soyez gentil, monsieur. Allez-vous-en. Ah, vous avez des inhalateurs ? J'en ai plus. Et puis, comme ça, je serais pas venu complètement pour rien. Au fond du magasin, à droite. Merci. Ah, c'est pas toujours facile, hein, d'être détective privé, je pense. Dommage qu'il ait pas voulu me parler. Il savait peut-être quelque chose. Foutu asthme. Chaque fois qu'il pleut, j'arrive plus à respirer. Ah, l'humidité, ça te bouffe les poumons. Vous remarquerez que tous les personnages ont un problème. Hein. Scott Shelby, c'est l'asthme. Norman Jayden, c'est son petit problème de drogue, là, qu'on a pu voir à la fin de l'épisode précédent. Et Ethan Mars, c'est ses absences. Les moments où il perd la mémoire, il sait pas ce qu'il fait. Bonsoir, monsieur. Vous cherchez quelque chose en particulier ? File-moi ce qu'il y a dans ta caisse. Allez, mène-toi ! Ouvre ta caisse, t'as pigé, connard ! Pose la thune sur le comptoir ! Merde, mais t'es sourd ou quoi ? Tu vas l'ouvrir, ta putain de caisse ! Non, monsieur. Vous n'avez pas le droit de me voler cet argent. J'ai travaillé dur pour l'avoir. Vous ne pouvez pas le prendre. Hein ? Tu déconnes, mec ! T'as pas bien pigé la situation. Je vais te coller une putain de balle entre les deux yeux, si tu fais pas tout de suite ce que je te dis ! Vous n'avez pas le droit de prendre ma caisse, monsieur. Cet argent est... Putain ! Lâche ça ! Tout de suite ! Bouge pas ! Lève les mains ! Lève les mains ou je te descends ! Pas de panique, on va tous rester bien calmes. Personne ici ne te veut du mal. On va tous rester cool et tout va bien se passer. Ouais. Je suis cool, mec. Et tout va bien se passer. Je m'appelle Scott. Et toi, c'est comment ? Ton prénom ? Andrew. Je m'appelle Andrew. T'as quelqu'un que t'aimes autour de toi ? T'as une petite amie ? La famille ? Ouais. Une petite fille. J'ai une petite fille. Elle s'appelle Jessica. Qu'est-ce que Jessica penserait si elle te voyait là ? Réfléchis un peu. Qu'est-ce qu'elle va devenir si ça tourne mal ?
Pour le moment, t'as rien fait de grave. Si tu ranges ton flingue, on va tous oublier ce qui s'est passé, et ça n'ira pas plus loin. Sors d'ici. J'ai rien fait de grave ? Mais merde ! Qu'est-ce que tu crois que je suis en train de faire, là ? T'as pas vraiment envie de descendre quelqu'un, pas vrai ? Je suis sûr qu'on peut trouver un moyen de sortir de ce pétrin, qu'est-ce que t'en dis ? Écoute, ça vaut pas le coup. Range cette arme et sors d'ici tranquillement. Tu me donnes des conseils ? Je sais ce que j'ai à faire, alors lâche-moi, ok ? Viens m'essayer. Pendant une seconde, j'ai presque marché dans ton baratin. Mille fois merci. Je ne sais pas ce qui se serait passé si vous n'aviez pas été là. Au moins, je serais pas venu pour rien. Bonne soirée. Quand mon fils, Reza, a disparu, j'ai reçu une lettre avec un ticket de consigne. À l'intérieur, j'ai trouvé cette boîte. Je n'ai pas compris ce que c'était. Je crois que c'était une sorte de message de celui qui m'a pris mon fils. Je peux ? Tenez, si cette boîte peut vous être utile, prenez-la. Elle ne m'a pas aidé à sauver Reza. J'espère qu'elle vous donnera des indices pour retrouver l'autre petit garçon. Monsieur Shelby, j'ai commencé à penser qu'il n'y avait absolument rien de bon par ici. Je crois que je me suis trompé.